Alors, on va commencer par escorte sportive, c'est la plus près. Ouais, il faut parler à l'entraîneur. Je ne te connais pas, toi. Si tu veux t'entraîner, on ne prend plus personne. J'ai l'air d'avoir besoin d'entraînement. Le roi Pausanias m'envoie chercher le champion de Pancras. Ah, mille excuses. Je ne savais pas que tu venais pour Testicles. Testicles. Je sais. Je ne ressemble pas vraiment à une messagère. Si je peux me permettre un conseil avant que tu l'emmènes. Testicles peut se montrer difficile. Tu pourras t'attirer ses bonnes grâces en lui offrant de l'huile. De l'huile ? Pour s'en enduire. Selon lui, ça lui donne la force d'Héraclès. Va voir au village de Gitéon. C'est là que travaille son marchand préféré. La victoire au jeu est importante pour Sparte. Tu crois qu'il en est capable ? L'autre jour, il a assommé 6 hommes et 1 taureau. Tout ça en allant au marché pour acheter des fruits. Du coup, c'est pour ça que je l'ai envoyé sur l'île. Où est-ce que je peux trouver ton champion ? J'ai envoyé Testicles s'entraîner sur un îlot de la baie d'Hadès. Ah, c'est parfait pour lui. Isolé, loin des gens, cherche l'épave de Nestor, sur le rivage sud. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le Pancras ? C'est un mélange de lutte et de combat au poing qui réclame beaucoup de talent. Des champions viennent de contrées très lointaines pour s'affronter à Olympie, mais ils ne reportent pas tous. J'ai hâte de voir ça. Je suis chargée d'amener ton champion à Hélice. J'espère qu'il sera aussi fort que tu le dis. Oh, il le sera. Cherche son campement sur l'île la plus au sud de Messénia. Et bonne chance surtout. Il faut que je trouve cette huile. Tout sera bon pour amener Testicles aux Jeux Olympiques. Alors lui se trouve en Aconia. C'est une quête pour l'huile. Non. Comment ça? Allez. Allez. Ah, allez, oh. Mince. Mince, je les ai ratés. Bon, c'est pas grave. Je
Je la vois. Désolée, c'est fermé. Je veux de l'huile, tout simplement. Ensuite, je te laisse tranquille. Je veux celle que tu vends à Testiclès. Ah, pour les lutteurs de Pancras. Le maître la prépare sur commande et il n'est pas là. Oui, mais je ne partirai pas sans. Tu ne comprends pas. Je suis presque libre. Tu es esclave ? Oui, et j'ai un bon travail. Si je faisais ça, je le volerais. Parle. Vite, ou sinon... Ah ça, les Mystios se moquent des esclaves. Je te le dirai, mais je ne t'aiderai pas. Fais chauffer à feu doux l'huile d'Athéna. Cela facilitera l'infusion. Quand l'huile sera chaude, ajoute de la myrrhe. Merci. J'espère que ça vaut ma liberté. Voyons si je peux préparer ça. D'abord allumer un feu. Il faut la faire chauffer. Quelle huile faut-il utiliser? Mais t'as pas écouté ce qu'elle t'a dit ou quoi? Celle-là. L'huile d'Athéna. Je vais en prendre un peu. J'y suis presque. Reste à ajouter. Et voici la nouvelle émission Top Chef. La mire. Un petit peu de mire. Et Testiclès va embaumer. J'espère que ça lui plaira. Oh, elle sent bon. J'ai envie de la garder pour moi. Voilà. Donc il faut aller... Est-ce qu'il y a un port ? On prend deux bateaux. Ok, attends. Il n'y a pas un point de... La chaille. En plus, il y a un... On va prendre le bateau. Donc... Il y a eu un petit bug tout d'un coup. Alors. On va ranger ça. Hop. Voilà. J'aurais jamais cru avoir la chance de voir les Jeux Olympiques. Et avec un champion en plus. Je ne vois pas tout l'intérêt. Tout le monde vient d'une compétition pacifique au lieu de combattre sur la chambre. Oh, je m'attendais à ce qu'ils s'entretuent comme partout ailleurs. C'est ça, la magie des jeux. Quelque chose flotte là-bas. On peut le renouveler. Une autre chanson. Une autre chanson, maintenant. Juste mettre. Ah.
des choses à remonter près d'ici. Dans l'eau, il y a des débris. J'ai envie d'entendre autre chose. Ça vous donne pas envie de rejouer à Black Flag? Moi, ça me donne envie, mais... Chose à récupérer, tout prêt. Allez, préparez les robes. On va d'abord arrêter le bateau et après on appellera Icarus. Allez les mecs, ramez un peu. Voilà. Allez, à pleine allure. Voilà. Doit être Testicles. Non mais il a un nom ridicule le mec, franchement. Encore un coup, ça donne des forces, puis de l'endurance. Ça donne surtout envie de vomir. Qu'est-ce que tu lui veux au grand champion Testicles? Tu ne vois pas que je suis occupé? Je dois t'emmener aux Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques? Ah ouais! Je vais être le champion! Wow. Champion, c'est moi, Testicles. Bien, allez, partons. Oh non, je ne peux pas partir maintenant. Je m'entraîne, d'accord? Et je ne sais pas si j'ai très envie de monter sur ton petit bateau. J'ai quelque chose pour toi. Une huile que tu aimes. Mon huile! Oh, embrasse-moi! Ah non, non. Pas là, non. J'ai ton huile. Tu l'auras quand on arrivera. Ce n'est pas juste! Tu ne veux pas utiliser toute ton huile avant le grand combat, n'est-ce pas? C'est vrai! Ouh, c'est pas bête, ça. Alors, direction les Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques! Le peuple compte sur moi! Alors, on y va? Il a intérêt à gagner. Mmh.
commence à y avoir du monde sur mon bateau. C'est où qu'il faut l'emmener. Ok. Testicles, c'est un honneur de t'avoir à bord. Ta victoire au jeu de la pitié a marqué les mémoires. Oui, absolument. Pourquoi lui avoir mis un coup de pied dans la bouche plutôt que de l'arrêter? J'avais envie. Testicles, c'est pour ceux qui savent pas taper fort. Vous avez compris, vous voulez gagner, il faut taper fort. T'es gentil, tu vas me laisser passer. Changez de chanson, les gars. Ben non. Il est très bien ce temps. Allez, on va s'approcher de ces débris. Au jeu, Cassandra. Tu n'as pas idée. Fort ! Tiens bon, guerrier. Campez sur tes pieds, tendre ça. Nos esprits s'élèvent vers l'éther. Car un spartiate ne meurt jamais. C'est un poème. Un poème de Sparte. Fort !
Ah mais laisse tomber Hérodote, il a les muscles mais il a pas la tête. Mais... Ah mais c'est mon copain ça. Comment il s'appelle déjà? Bienvenue. Ah c'est bien. La fête a officiellement commencé. Alcibiade. Oh, ça m'étonne de te voir habillée. La journée commence à peine, ma petite chèvre. Tu es là pour concourir, Alcibiade ? Naturellement. Je pratique aussi d'autres formes d'exercice, de temps en temps. Oh ! Bien sûr. À ton avis, qui remportera le plus de couronnes cette année ? C'est moi ! Athènes saura sûrement se montrer... à la hauteur. Je parie sur Messénia. L'air marin t'est monté à la tête. Sparte gagne toujours au Pancras. Et dans bien d'autres épreuves. Tu sais beaucoup de choses sur le passé, mais laisse l'avenir aux professionnels. Qui est-ce? Lui, c'est Dorius, le champion en titre. Il aime le sang et la compétition. Il a beaucoup d'endurance. Tu es jalouse ? Non, je ne crois pas. Non, j'ai affronté un cyclope, deux cyclopes. Qu'est-ce que j'ai affronté ? Ah oui, un minotaure. Non, je suis pas du tout jalouse. Non. Bon, on n'a pas navigué aussi longtemps pour rester à quai. C'est vrai, tout à fait. Et si tu cherches un partenaire pour t'entraîner ? Toi, un petit Athénien tout maigrichon ? Je suis le champion, moi ! Oh, dommage que ta cervelle ne soit pas aussi grosse que tes muscles. Même Alcibiade, il dit. Bon, allons-y. Je me fasse huiler avant d'aller au jeu. Ma foi, je veux bien me porter volontaire. Un athlète dans l'huile, ça ne se refuse pas. Parce que ma passion, c'est l'huile. Oh, quelle surprise. Toi, tu me plais. Allez, viens. Viens me faire un câlin. Il sait nager, j'espère. Il sait sûrement nager. Oh. Eh bien, on dirait que c'est toi la championne maintenant. On est bien peu de choses quand même. C'est sans précédent. Et tu veux que je participe aux Jeux Olympiques ? Prendre la place d'un mort, ce n'est pas très élégant. Le requin n'a pas encore digéré Testiclès. Allons, Cassandra. Montre-leur ce que tu vaux, et montre-le-moi à moi aussi. Où dois-je aller pour participer au Pancras ? Au stade d'Olympie, bien sûr. Oh, j'adore assister à ces combats. Tu sais qu'il y a des morts dans ces épreuves. Quelles sont les autres épreuves, à part le Pancras ? Il y a le javelot, une épreuve qui doit être familière. L'athlète envoie une longue lance le plus loin possible. Oui, oui, je connais. Et il y a les courses, à pied et à cheval. Beaucoup de sueur, un régal pour les yeux et pour le nez. Je dois rapporter cette couronne à Sparte. Alors si je dois participer... Allons-y.
Cette épreuve ne commence pas tout de suite. Nous devrions nous promener. La trêve d'Olympie est extraordinaire. Trouver l'organisateur de Pancras et lui parler. Ok. Je savais que ça allait me retomber dessus. Ça rame. Allez. Une mornille. Hop. Il faut que je lui parle. Jamais je n'aurais cru que tu tomberais aussi bas. Ne joue pas les effarouchés. Je veux que tu fasses une faute. Le Pancras! Je viens pour le Pancras. Tu plaisantes? Il ne nous manque qu'un combattant, et c'est Testiclès. Il est un peu mouru, quoi. Il a eu quelques soucis, disons, d'estomac. C'est moi qui le remplace. Très bien, très bien. Tiens-toi prête à combattre.
C'est un fait sans précédent, mais si le pancras est annulé, il y aura une émeute. Très bien. La compétition va commencer. C'est le moment. Je suis en slip. Amène-toi, Gringalet. Bienvenue à tous. Partagez mon enthousiasme et découvrez Kalias, ancien champion du stade et aujourd'hui l'un des juges les plus estimés à Olympie. Mes amis, c'est un honneur pour moi d'ouvrir une épreuve aussi chère à mon cœur, le pancras. Je ne m'étendrai pas davantage, nous sommes tous impatients de voir de l'action. Pour Zeus, que débute cette épreuve. Je vais t'écraser comme une punaise. Tu vas voir, c'est beau le Styx. Oh putain, les patates que je mets. Ce n'est pas juste. Fanfaronne-moi. C'est tout ce que tu sais faire? Oh, ce n'était que le début. Quoi? Maintenant que notre concurrente s'est échauffée, voyons de quoi elle est capable face à Erastos. Ouais, envoyez le Minotaure là, qui est un vrai challenge. Bonne chance. Des yeux et tu verras les étoiles. Voilà ce qu'il faut faire. On peut y arriver. Ah, du colesté. Aïe. La foule t'adore, mais ce n'est pas encore fini. Pas fini? Une belle offrande aux dieux. Vous ne trouvez pas? Nous nous retrouverons bientôt pour le dernier combat. La magnifique et puissante Cassandra contre le champion en titre, Dorieus. Oh. Quoi, c'est tout, j'ai affronté que deux mecs. Incroyable! Je vais devenir le compagnon d'une championne olympique. Oh, tu es encore meilleur au corps à corps que moi. Ah, oh, si Socrate était un partenaire plus souple. Alcibiade, tu te sens bien? La fête avec mon ami Démophane et Callias. Des juges très respectés. Trop de vin, c'est ça? À croire que tu as bu à la coupe de Médée. La coupe de Médée, tu crois qu'on l'a empoisonnée? Tu as fait la fête? Ce sont les Jeux Olympiques. Tout le monde fait la fête. Nous étions au Léonidaïon. Si tu as été empoisonné, je dois trouver ces juges. Empoisonné? Tu crois qu'ils l'ont été aussi? Non, jamais. Ils sont honnêtes, c'est impensable. Ils organisent toujours une fête pour les Jeux en l'honneur de la trêve sacrée. Reste avec lui.
Je vais découvrir ce qui s'est passé. Tends-moi un rameau d'olivier et je prendrai toute l'olivret. Je le savais. Alors... Ça, non. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Putain, mais il y a de la combustion spontanée dans ce... dans cette ville. Le sanctuaire d'Olympie. C'est là que s'affrontent les plus grands athlètes pour la renommée et la gloire. C'est sans aucun doute du poison. Et Alcibiade n'a pas été la seule victime. Ah bah dis donc. La trêve est déjà si fragile. Oh là là, il y a des morts partout, mais on les pille quand même. Une odeur étrange, mais pas celle de pourriture. Voilà la preuve, le poison. Il a dû être versé dans les plats et dans le vin. Une liste de victuailles pour la fête. Et le nom du marchand. Ce Priam mérite une petite visite. Maintenant, on va avoir une petite discussion. Je t'en prie, sois raisonnable. J'ai simplement fait ce qu'on m'a dit. Tu ne mérites pas le... À l'avenir, tu feras ce que je te dirai. Je t'en prie, je croyais qu'il s'agissait seulement de les ralentir, tu sais, pour qu'ils perdent. L'occasion de gagner quelques drachmes. Mon ami Alcibiade est peut-être mort. Et toi, tu me parles d'argent? L'enfant chéri? Mais j'étais là. Il n'en a pas pris beaucoup. Si tu peux lui trouver de l'antidote, il survivra. Dis-moi où en trouver. Il y en a sûrement au fort Koroibos. Quelqu'un de là-bas m'a payé pour faire ça. Celui qui a fait ça va payer. Toi, disparais. Et si jamais je te revois... Oui, merci. Bon, on va aller tuer le membre du culte et après on va s'occuper de l'antidote. Coup de sauvegarde.
Et voilà. Plaisir de tuer des gens comme toi. Les mecs, ils ont pas bougé autour, hein. Les bottes, elles sont très très belles. Est-ce que j'ai le look? Voilà. Probablement l'antidote. Mieux vaut éviter de se faire voir. Il y aurait quelqu'un là-bas? Rien ici. Ça, qui, d'accord, on peut y nager pareil. Oui, d'accord. Le signal. Par les dieux, ta vie est... Non, 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 tu n'allumes pas le signal. Maintenant. Ah putain. Victoire!
s'approcher. Oh putain. Oh, le mec il s'appelle Cassos. Alors, attends, attends. Parce que là, je suis... Voilà. Sinon, ils vont jamais s'arrêter. Qui me cherche, on va en profiter. Et on se tire. Hop.
Bon, excuse, hein, je vais continuer à appeler. Voilà. J'arrive. Tiens, j'ai l'antidote. Donne-moi du vin pour chasser ce goût infâme. Un remède digne d'Hippocrate. Je sens monter toute mon énergie. Tu ne dois pas te rendre à l'épreuve de Pancras ? Allons-y. Ton prochain adversaire est Dorieus. Il prétend descendre d'Héraclès en personne. Bah moi, je descends de Leonidas, là. Vas-y. Vas-y, on se fight. Allez, viens. Tu as déjà affronté un champion olympique ? Non, mais je suis arrivé jusqu'ici. Non, j'ai affronté un cyclope, un minotaure. J'ai de l'huile. Je me suis dit que ça pourrait servir. Et elle sent bon. Je vais m'en enduire. Oh ! Tu sens meilleur que l'autre fois. Bon, finissons-en. Pour Hera. J'ai juste l'impression de transpirer. A su s'élever rapidement au rang de prétendante. Voyons maintenant de quoi elle est capable face au champion en titre, Dorieus. Sois loué!
les dieux ont été bien disposés envers ces champions. Mais il ne peut y avoir qu'un vainqueur. À toi, la gloire éternelle. Mais voilà.